The Rebels of Tijuana en live sur la scène du 5e à Vevey le 21 mai, le 19 juin à la Fête de la Musique de Genève. Nouvelle EP à découvrir, 4 titres après un premier album qui est sorti. Ils viennent nous rejoindre, les Rebels of Tijuana. Toutes les informations sur leur page MySpace, des informations également sur la page de Radio Paradiso. Deux titres, c'était pas possible, Alex, de jouer les titres de l'album actuel en version acoustique. Ça doit être rock'n'roll. On a déjà essayé, ouais, puis c'est un peu compliqué. Du coup, on a joué deux titres qui sont nouveaux, puis qu'on mettra sur un prochain disque. Ouais. Voilà, d'accord. Donc, c'est carrément de l'exclusivité. Je pensais que c'était. Ouais. Parfait. Non, c'est des morceaux. C'est fort, les gars. J'ai envie de revenir un petit peu sur ce style garage rock, parce que non seulement dans la musique, mais aussi le style, il y a toute une iconographie, il y a tout un graphisme, il y a tout presque un art de vivre qui est en parallèle de la musique, presque nostalgique, j'ai envie de dire. Est-ce que vous vous sentez un peu nostalgique d'une époque que vous n'avez pas connue? Pour de vrai, j'arrive plus à savoir si je suis nostalgique ou pas. C'est vrai? Ouais, non, je sais pas. En fait, c'est tellement d'émissions, de musique, de disques, parce qu'on écoute beaucoup de disques, et puis du coup, on n'arrive plus à savoir. On se dit, là, on parle de faire un clip, et puis on parle de comment on va reproduire une image vieille, et puis. Voilà, parce qu'il y a les fringues, il y a les voitures, il y a les bagnoles. C'est ce qu'on se disait aussi. Donc ouais, c'est beaucoup de références du cinéma aussi. Du cinéma. D'ailleurs, vous le dédiez ce dernier EP à Dennis Hopper, c'est parce que c'est une image trop forte par rapport à son personnage dans Easy Rider. C'est ça, ouais, c'est vraiment le foutu EP, quoi. Ouais. Vous sentez un peu EP, du coup, quand même. Il non, faut l'être pour pas. Faire du garage rock. En fait, on sait même plus. Enfin, oui, un petit peu, parce qu'il y a ce côté veste à franges, mais il y a beaucoup de choses justement qui sont enjolivées avec le temps. Et puis, en fait, c'était pas si rose que ça, quoi. Donc, je pense qu'il y a. Voilà, ouais, la vidéo Woodstock, c'est quand même un must. Et puis après, bon, tous les idéaux, bon, je sais pas, tous les groupes garage, justement, n'étaient pas forcément hippies. Voilà. La suite, pour vous, ça va être un double album en 2012, les Rebels of Tijuana. Ouais, enfin, disons qu'on a dit double album, c'est qu'on a plein de morceaux. C'était pour vendre. Non, mais c'est qu'on aimerait partir dans un disque un peu plus long. On avait fait un album avant, et puis où il y a 9 titres. Et puis là, on s'est dit, on a plein de morceaux qu'on joue en live, qu'on n'a jamais enregistrés. Ben, on va les mettre tous et puis on va prendre le temps de faire un disque. Quoi. La version courte, c'était pour une version test. On fait toujours un petit EP avant de sortir un album. C'était un petit peu ça pour vous ou c'était une urgence d'enregistrer rapidou? Non, ça fait partie. On a commencé par un premier 4 titres. Et puis, ensuite, il y a un album, puis ensuite, de nouveau, c'est voilà, les 4 titres. Ouais. Donc l'idée, c'est de faire des 4 titres de temps en temps. Parce que si c'est un format, là, on l'a pressé en vinyle, mais on ne l'a pas encore reçu. Mais voilà, une fois une image de plus. Ouais. Il faut que ça en vinyle. Il faut qu'il y ait en tout cas ça. Ouais. Ouais, c'est assez sympa aussi pour le format. Et puis c'est vrai qu'on n'est pas un groupe qui allons vendre des millions de disques, donc autant qu'on se fasse plaisir. On sait jamais. On sait jamais. Faut jamais dire vrai. Jamais. Et double album donc certainement. Et puis des dates 21 mai au 5e de Vevey, 19 juin Fête de la Musique de Genève. D'autres dates aussi sur France. Ouais. Pas très loin d'ici. On va jouer notamment à Lyon pour le festival Echo Orange, qui est un petit label lyonnais, et on ouvrira pour un groupe qu'on aime beaucoup qui s'appelle Hush Puppies. Ouais. Fameux groupe français aussi, des ouais, voilà, ouais, c'est. Alors eux, ils chantent tout en anglais. Mais oui, on est complètement. Il y a autrement pas mal de dates à droite, à gauche, France voisine. Ouais. Et puis des nouveautés à découvrir sur ce prochain album alors? Des nouveaux sons peut-être, vous y réfléchissez déjà? En fait, la formation a un peu changé depuis un an. Et puis avec l'arrivée de Jules à la guitare et au banjo, du coup on a déjà un jeu de guitare plus américain et puis un jeu de banjo aussi. Donc c'est vrai que le banjo c'est pas très anglais. Et donc voilà. Des chœurs de filles encore pour ce côté très yéyé sur le prochain album? Ouais, sûrement. Ouais. Ouais. Sûrement quelque chose de plus produit avec aussi des cordes, des cuivres. Ouais, c'est pas possible pour du rock garage, ça. Si, c'est possible. Si. C'est... Bon, on peut tout faire dans le garage. Plus produit, mais plus avec ce côté un peu sale. Ouais, disons qu'après, voilà, on peut faire des choses un peu country. Et puis, c'est vrai qu'il y a plein de choses. Il n'y a pas juste du rock avec de la pédalfeuse. Et puis voilà. Ouais, Merci beaucoup d'avoir été avec nous, les Rebels of Tijuana. Merci beaucoup. Merci. Dernier EP, 4 titres à découvrir pour de vrai sur la scène du 5e de Vevey le 21 mai. 19 juin, Fête de la Musique de Genève. Et puis toutes les informations sur votre page MySpace, d'autres informations aussi en lien sur la page de Radio Paradiso. Et très vite alors. Ah, très vite, ouais. Ne vous abîmez pas trop en concert. Non, non, on va essayer de pas trop vieillir vite, mais c'est pour ça qu'on a pris un jeune. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Un foutu hippie, c'est avec ce titre éponyme qu'on se quitte, les Rebels of Tijuana. À très vite. Salut.